Hello, j'espère que vous allez bien. Oh, ça m'a fait trop du bien de dormir. Hier, j'étais épuisée, j'étais au bord du bout du bout. J'avais mal au dos, j'avais mal partout, j'étais crevée. Une bonne nuit de sommeil et ça va mieux. Et là, du coup, pour la suite de ce vlog, on est parti pour Akihabara. Ouais, je pense que y a de quoi faire là-bas. On va bien s'amuser. Donc, bah c'est parti, je vous emmène avec moi. Bon bah du coup c'est parti pour quelques petites gachapons pour bien commencer la journée. J'ai eu trop de chance, j'ai eu que les gachapons que je voulais, ça fait trop plaisir. Et bah voilà, on commence à se promener à Akihabara, on commence à voir les magasins bien phares, bien connus qu'on peut voir un petit peu partout. Là il y avait un petit peu de rétro, c'était sympa comme ça en loose. Pourquoi pas? En tout cas, c'était impressionnant, les immeubles, c'était ouf, c'était gigantesque, il y avait des étages à en perdre la tête. Là, on était dans un magasin de jeux. Il y avait de tout, c'était incroyable. Et à des prix assez sympas pour certains. Franchement, on a fait énormément de boutiques et pourtant, j'ai l'impression qu'on n'a rien fait. C'est abusé. Il y a trop de choses à voir, il y a trop de choses à faire, il y a trop de choses partout en fait. On a vite fait de se perdre dans tout ça, de courir à droite et à gauche et au final, on fait pas grand-chose parce que rien que voilà, certains bâtiments, il y a plein d'étages et on perd du coup au moins une heure et demie dans un seul bâtiment quoi. Mais c'était trop cool, voilà, j'ai fait quelques UFO catchers, malheureusement je n'ai pas eu trop de chance. C'était assez compliqué et assez frustrant, mais bon, on s'y attendait, hein. C'est comme à la fête foraine chez nous. C'est pas toujours gagnant, c'est même très peu gagnant, quoi. Ça ne va pas.
Admirer mes talents au piano, je sais, c'était incroyable. Après, avec mon chéri, on a fait un jeu de rythme où je l'ai battu à plate couture parce que je suis la meilleure. Et on a aussi joué à House of the Dead. Bon, là, j'étais un petit peu plus mauvaise, je l'avoue. Mais bon, c'était cool. J'ai pas pu vous filmer ça, malheureusement. Après, on est ressorti du coup et il faisait nuit. On a pu admirer Akihabara de nuit et c'est juste incroyable. Ça brille de partout, c'est rempli de lumière. Rempli de monde, il y a de tout partout, on sait pas où donner de la tête, c'est incroyable, c'est magnifique, c'est un régal pour les yeux. Je suis allée dans plusieurs boutiques aussi d'occasion. C'était pas mal, en plus j'ai trouvé quand même une bonne affaire. Regardez-moi ça, 500 yens seulement. C'est rien du tout, c'est à peine 3 euros. Après, évidemment, on refait le tour des UFO catchers. Ma passion, ces trucs, c'est horrible, c'est addictif. Et pourtant je suis nulle. C'est galère, mais c'est trop addictif, c'est trop bien. Il y a plein de trucs partout, on a envie de tout tester. Au final, j'ai juste réussi à gagner un prix pour mon chéri. Bon, c'est déjà pas mal, hein, vous me direz, mais bon. J'ai rien gagné pour moi, c'est triste. Ensuite, c'était l'heure du repas parce qu'il était déjà presque 23h et je mourais littéralement de faim avec mon chéri. Du coup, on a opté pour des udon qui étaient vraiment pas chers, qui étaient très généreux au niveau de la portion et qui étaient délicieux. C'était incroyable. Et c'était du coup mon premier resto au Japon et ça fait plaisir. C'est pépite. Bon bah c'est retour à l'hôtel. Je suis morte. J'ai mal aux pieds. J'ai mal partout. Je suis KO. Akihabara, c'est un quartier incroyable. Mais un quartier où on a vite fait de se paumer tellement on a envie de faire de choses. Du coup, le plan c'est d'y retourner demain. Histoire de fouiller un petit peu plus le quartier. Parce que c'est vrai qu'on a perdu pas mal de temps dans certains endroits et du coup ben finalement on n'a pas fait tant de choses que ça aujourd'hui
Donc ça va attendre demain. On va continuer demain, donc c'était pas forcément prévu, mais demain, ça sera encore une fois Akihabara. Voilà. On se retrouve pour une prochaine vidéo, des bisous.